be like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. When I see. Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sans tarder, vous avez vu, hein, on revient dans les tacos, dans tout ce qui est... Parce que franchement, je tiens à vous le dire les amis, que les tacos, la première vidéo du mix de Giga Tacos, va pas tarder à arriver. Je pense qu'on va la faire ou le mois d'août ou le mois de septembre, entre les deux, on va voilà, voir. Parce qu'il y aura les vacances, moi je vais aller en vacances, mon copain Karim aussi va aller en vacances, etc. Voilà. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, en compagnie de mon ami Karim, le youtubeur. Il faut aller sur sa chaîne quand même, il faudrait que je marque le nom de sa chaîne en bas, et que vous ayez voir un peu, il fait de la bonne cuisine et tout. Bon ben, on va commencer cette dégustation les amis, ça fait longtemps qu'on n'avait plus mangé de tacos. Très, très, très bon. Arrête de faire le comment tacos. Franchement, à l'aise. Des fois on est gêné quand on mange. Ouais, voilà, on est là, on est là, on est face à la caméra. Ah t'es quoi, t'es posé? Je suis posé, je suis tranquille. Voilà. Moi il m'est arrivé des choses les amis, bon je vous en parlerai dans la prochaine vidéo avec Jean-Marc bien sûr, parce que lui aussi aime bien faire la vidéo. En plus Jean-Marc va bientôt rentrer chez lui. Donc ce sera peut-être une des dernières vidéos, mais j'en referai une autre de vidéo avec Jean-Marc. Et je vous dirai ce qui m'est arrivé un peu cette semaine. Il ne faudra pas rater la vidéo. Et ce qui m'arrive en général quand je perds un peu la boule, quand je perds la tête. Bon allez, on va arrêter de parler trop. Parce que les minutes, ils passent vite. J'essaie de faire toujours un peu moins de minutes, mais jamais pas. Je suis désolé. Ouais, c'est ça, c'est comme ça. Vous avancez les minutes et on se dit toujours ça, mon carré. On essaie de faire 8 minutes tout ça, mais là on va dépasser, on sera dans les 18 minutes ou je sais pas. Bon allez, on va commencer la vidéo de dégustation de tacos. Tacos, c'est ça. Parce que vraiment ça faisait longtemps, ça nous a manqué manger. C'est trop bien manger. Aujourd'hui j'ai pas trop bien mangé au travail. J'avais pas le moral, mais bon je peux pas vous en parler aujourd'hui. J'étais déprimé, alors une bonne vidéo de tacos. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir, franchement. C'est démoralisé au travail. Si ce n'est pas mon jour, je ne veux pas vous parler de ce qui m'arrive. Enfin bref, c'est quand même beau, ouais, il est pas mal. On dirait une petite poche. Donc bien fait. Petite poche, bien, il est bien enveloppé, bien emballé, regardez. Pas mal. C'est pas mal. Bien. Ce qui se passe, qu'on va le manger. Hein. On va le manger, mon petit coco. Bah, allez, ça fait. Mal, c'est toi qui fais le premier croque ou pas? Bon bah d'abord, avant de le croquer, ah, moi j'aime trop discuter, après vous parlez pour moi, lui aussi j'aime trop discuter. J'aime trop discuter. Parlez pour moi, voilà. Merci. Je vais vous expliquer à l'intérieur, il y a quoi. Alors, il a des oignons, moi j'ai fait que avec des oignons, avec escalope et sauce à vigarelle, et c'est tout. Voilà, et pour toi? Bon ben moi c'est très simple, hein. J'ai pris sauce algérienne. Bon, j'aime bien les Algériens, oui, je vous kiffe les Algériens. Ah, alors, les Algériens, même les Marocains, même. On vous aime. Même, bon, j'aime en totalité les Arabes, et les Robus, les Noirs, et tout. Après, j'ai rien contre tout le monde. Hein. Ouais. J'aime les Français, j'aime tout le monde, hein, oui. Mais j'aime bien les sauces algériennes, en fait. C'est ce que je voulais dire. Enfin, on va pas commencer à aller dans le débat. Voilà, j'ai mis de la sauce algérienne et escalope, voilà. La viande escalope, ouais. C'est ça que j'ai fait. Ouais, c'est ça. Je suis technique, de fois je fais des vidéos, je réfléchis et je sais même plus ce que je fais. Enfin, je suis perdu. Comme vous avez vu dans mes vidéos, des fois je dis des trucs, je sais même pas où je sais pas. Enfin bref. Il part loin. Voilà, je fais des délires loin. Je sais pas, c'est le fait de faire des vidéos. J'aime bien faire des vidéos. Il voyage. Je sais pas, c'est comme ça. Bon, on arrête de discuter. Parce ouais, que, c'est là, ça. Là, je pense que ça fait déjà 10 minutes qu'on parle. Tu fais pour métro? Non, c'est toi qui fais le premier coup. T'es l'invité, t'es mon invité. Allez. C'est ton premier coup. Comme ça, s'il décède, c'est lui qui décède en premier. Mmh. Tu vas encore vivre encore. Alors, qu'est-ce que ça donne? Comme ça vaut. Affole toi, on va pas y passer de temps. Allez, mange. Franchement, c'est bon. Rien à dire. Mais les oignons, je les sens pas. Mais il y a la pince dedans. C'est vrai que moi j'ai dit au gars, j'ai dit pas de salade. Moi je veux voir s'il n'y avait pas de salade. Bon, des oignons, moi. J'ai dit des oignons. Mm-hmm. Voilà. Franchement, j'aurais pu dire non. Voilà. Mmh. Ah, ça va. C'est quoi ça? Franchement, ça va. On voit les frites. On voit les frites et tout. L'escalope, on voit l'escalope. C'est nickel.
Je pense que ça me passe. C'est très très bon les amis. Mmh. On a oublié aussi de vous dire qu'on a pris un menu et aussi des bonnes frites de bonne qualité. Je vais vous goûter ça avec vous. Comme ça, je vous dis si c'est bon ou si c'est mauvais, on sait pas quand même. Allez. Ça va, ça fond vraiment vite dans la bouche. Ils ont l'air bien les frites, franchement. Ouais, ils sont pas mal. La qualité offensive, la bonne qualité bien sûr. Bon, on va voir si cette frite est bonne, si elle désire que je puisse la manger, cette frite. Alors, voyons. Mmh, elle est trop bonne. Ah, ça va, franchement. Oh là, je me sens... Oh là. Je suis parti loin là. Ouh. Ah, c'est trop bon les amis, franchement. Mais c'est vrai que là, ça pique. Là, il m'a mis beaucoup de sauce à Jiren, là. J'ai déconné. Moi. C'est moi qui ai voulu. Hein. J'ai pas à me plaindre. J'ai voulu ça, j'ai voulu ça. Mmh. Franchement, les frites, ils sont pas comme d'habitude. Tu vois, là, des gens, on mange des frites, ils sont secs après. Comme les frites du McDo. Quand tu les finis, tu les manges pas, ils deviennent toutes dures et après, t'as pas à les manger. Moi, il y a certains magasins, même dans certains McDo, mmh. même certains tacos, je crois. Ça arrive, c'est ce cas-là. Mais bon, ça va là. Elles sont bien grosses, bien magnifiques. Mmh. Mmh. En plus, la sauce à Jeanne, elle est à pic, mais c'est super. Bon. Mmh, mmh. Comme vous avez vu, on a pris des boissons comme d'habitude. Hein. Ouais. Bon, là, moi, j'ai changé un peu. J'ai pris. Je sais pas si vous vous rappelez dans une de mes vidéos, si vous cherchez bien, j'avais déjà pris cette canette, les amis. J'avais déjà pris ça. C'est au citron, mais c'est. Moi, qu'est-ce que je dis, moi, au citron? C'est un Sprite. Vous avez vu, je suis tellement dans mes émotions de vidéo man, en fait, de youtubeur. J'aime bien quand je fais mes vidéos. Je suis dans mes émotions que je dis n'importe quoi. C'est du Sprite et je disais que c'était du citron. Voilà. Comme vous avez vu, je suis souvent fou. Moi, j'aime bien être fou des fois. J'aime bien. Bon, je vais vous faire, je discute trop. J'espère qu'on va pas atteindre les 30 minutes, parce qu'il y en a, j'en vois déjà vous avancer les vidéos. Excusez-moi, ouais, je me pardonne, excusez-moi. Que je parle beaucoup, hein. Je parle trop, oui, oui, je parle trop. Faites des commentaires, oui, je parle trop. Oasis, saveur pomme poire. Franchement, c'est la meilleure boisson. N'hésitez pas à la prendre, parce que franchement, je fais pas une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit, non, du tout. Ah bon, c'est ce qui dit que c'est la meilleure boisson. Moi je dis que c'est la meilleure boisson, c'est Sprite, les amis. Non, franchement, comme ça, vous allez digérer bien et tout. On va se battre. Non. N'hésitez pas à dire sur commentaire laquelle boisson non, vous préférez. Sa boisson ou la mienne. Qui va gagner le livre. Franchement, parce que la chine déjà, tu vois, c'est pas comme moi, ça. Quand tu bois, ça descend. Toi, quand tu bois, ça, tu vois, ça pique là, ça reste là. Non, mais moi, ça nettoie. C'est comme la javette. Ça nettoie bien. Non. Ça vous nettoie bien. Vous avez la gorge bien, vous parlez bien, vous sentez bien. Peut-être. Nickel. Peut-être. Ça, mais... ça part vite. Direct après, vous allez aux toilettes, vous avez envie de pisser. C'est quoi ça? Non. Bien que ça descend. Les petites bulles. Non, franchement, ça, tu manges un taco, tu vois, tu bois et tu manges avec un taco. Ça te remplit le ventre, t'as plus faim. Mais ça, quand tu bois ça, ah, je peux pas te dire, ça descend tout seul, ça reste. Mais ça fait pas gonfler le ventre. La douceur avant tout. Ah, c'est trop bon, je me régale. On est bien, quand même, c'est bien de manger. Parce que vous, nous, là, on discute, mais manger, c'est bon, c'est bien, franchement. Ah, désolé. Excusez-moi. Je vous laisse. Hein. On va vous laisser, parce que nous, il faut qu'on mange. La qualité, hein. C'est trop bon, on arrête, pour qu'on arrête la vidéo. Ah, c'est bon. Mmh. Et on n'hésite pas de vous montrer notre petit tiramisu. Tiramisu, ça va. Comme vous avez vu dans ma vidéo, je suis presque aux 1000 vues dans mes aux 1000 vues dans mes tiramisu et je félicite tous ceux qui m'ont mis un like à ma vidéo de tiramisu. J'ai eu beaucoup de commentaires qui étaient géniaux. Et je ferai bientôt une vidéo. Bon, je serai quand peut-être en vacances ou une autre fois, je ne sais pas quand je serai chaud, faire une vidéo de tiramisu. Pour voir si j'arrive à les faire bien autant que la première vidéo. Voilà. Après, c'est des petits ramisu qu'on a achetés. Hein. Franchement, c'est... tranquille. On avait déjà mangé ça en fait. Ouais, ils sont pas mal en fait, ils sont très très bons. Chocolat, noisette, voilà. Scoopilou, ouais. Voilà. Bonne qualité, hein. Mmh. Éventuellement, c'est la qualité. Bon, ben, on va vous laisser, puisque là, on parle beaucoup. La vidéo est très très longue. Hein.
Tout ce que j'ai à vous dire, c'est... C'est franchement exceptionnel. Quand je mange un tacos et que j'ai passé franchement une journée pas agréable, je me sens bien et je dors bien. Je sais pas si c'est pour vous, mais quand je mange un tacos, après j'oublie les soucis, je me sens bien. Moi, je mange un tacos, j'oublie tout. Voilà, on oublie qu'on a passé une mauvaise journée, etc. En plus, nous, quand on se retrouve, on aime bien rigoler, on se raconte plein de conneries et tout, on se raconte nos histoires et puis on est bien. Moi, je mange un tacos, je voyage. Je suis loin. Je suis là, mais sans être là, tu vois. Je voyage. Moi, quand je mange un tacos, les amis, je vais en Algérie. Je vais en Algérie, je passe par Casablanca, par tous les pays arabes, tout ça. Après, je redescends vers les continents africains, Sénégal, Cameroun, bien sûr, parce que le Cameroun, je suis quand même Camerounais d'origine, c'est la base, les amis. Et j'aime bien tous les pays arabes, enfin tout le continent africain, que ce soit les Arabes ou les Noirs et tout ça, etc. Et j'aime bien l'Europe. Hein. Mon rêve, c'est d'aller aux Pays-Bas, les amis. J'ai un rêve d'aller aux Pays-Bas et aux États-Unis. En ce moment, avec la crise, c'est pas possible. C'est malheureux tout ça. Bon, voilà, les amis, on va vous quitter sur cette vidéo. Nous, on va continuer de manger. Parce ouais, c'est ça. On essaie de faire une vidéo qui dure le moins possible. On va pas vous montrer minute par minute ce qu'on mange, ouais, mais vous avez bien vu que c'est un tacos de bonne qualité et que là, on est en train de savourer bien. Si on continue à le finir, je pense que la vidéo, elle sera 40 minutes. Vous il y en a qui vont dire ah, c'est trop ou parler trop. Bon ben bon appétit les amis si vous mangez. Et si vous êtes au matin et que vous déjeunez, bon déjeuner et bon réveil. Et puis voilà. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis. Il y aura une vidéo avec Jean-Marc là bientôt et je vous raconterai un peu ce qui m'est arrivé cette semaine. Que la semaine n'est pas bien commencée pour moi. Ah nous on mange bien. C'est très bien. Vous n'aurez pas. La qualité. C'est trop bon, franchement. C'est la qualité offensive, bien sûr. Ça n'a rien à dire. Tu veux aimer ça? C'est fini. Bon, les amis, on va vous laisser. Je vous dis. Gros bisous à vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et aussi, il faut que je vous annonce quelque chose directement. Moi et David, l'artiste. On va commencer tout doucement, tranquillement, sans se presser, à faire des micro-trottoirs. Vous attendez depuis très longtemps. Et on va le faire ensemble, avec beaucoup de motivation et beaucoup de stress aussi. Mais ça va pas se voir dans les vidéos. Bah, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Et attendez, avant de finir la vidéo, les amis, je vous rappelle, j'étais en train d'oublier que cette vidéo est à la délicace à mon cousin de Saint-Étienne. Dédicace à toi. À Frite. Une dédicace à toi. Parce que c'est lui qui il m'a donné des tickets pour faire cette vidéo. Donc, dédicace à Frite. C'est mon cousin qui s'appelle Frite. Et puis, une dédicace à mes amis du travail. Comme d'habitude, à Yé et tout ça. Il y a tellement de dédicaces à faire. Franchement, si je commence, je ne vais plus m'arrêter. Ouais. Il y a Yé. Bon, il y a Amandine. Bon, vous reconnaissez, hein. N'hésitez pas à dire les commentaires si vous voulez la prochaine vidéo que je vous dédicace votre vidéo. Enfin, la vidéo que je vous fasse, la dédicace. Une dédicace à Ayel, à Mondine, à Sylvain, à Philippe, à... Je sais plus. Il y en a plein. Il y en a plein. Mes cousins, à Monique. Monique, ma cousine, qu'on a vue aujourd'hui. Je vous dirai pourquoi... je vous en parlerai, cette histoire, ça fait partie de mon appart. Et puis voilà, une dédicace à, je sais pas, Firmin, la famille Mina, je sais pas, j'en oublie tout le temps, à chaque fois que je finis la vidéo, j'en oublie tout le temps. Allez, salut les amis, et à plus, n'oubliez pas la prochaine vidéo, n'oubliez pas, il faut pas l'oublier la prochaine vidéo. Ça va être du lourd. Wow. Enfin, ça va être un peu du lourd, mais ça va, vous allez aimer quand même, c'est avec Jean-Marc, et puis voilà, je vous raconterai un peu. Allez, salut les amis, ciao. Tchuss. Every time she walk by, I can see in her eyes. Shawty be feeling my vibes. I be like, there she go.